comprendre un CV ou curriculum vitae. Alors, qu'est-ce qu'un CV ? Un CV est un document où nous écrivons notre formation, c'est-à-dire nos études, nos stages et notre expérience professionnelle. Pourquoi écrire un CV ? Nous écrivons un CV quand nous sommes à la recherche d'un emploi. Le CV est destiné au recruteur, la personne qui choisit le personnel, et il doit attirer son attention. Quelles sont les informations à fournir dans un CV ? Les coordonnées, nom, prénom, date de naissance, état civil, numéro de téléphone, adresse, courriel. L'expérience professionnelle. La formation. Les langues parlées. Et les centres d'intérêt. Alors, rédigeons ensemble un CV. Alors, nous mettons d'abord les coordonnées de l'expéditeur, alors le nom et le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, le courriel, l'âge et l'état civil. Puis, nous pouvons mettre une photo, qui est facultatif. Puis, commençons par la formation. Alors, nous mettons les expériences à partir de la plus récente. Alors, 2013, master en médiation culturelle. 2010, licence en langue étrangère, russe et chinois. De 2008 à 2009, cours intensif de russe à Moscou. Semestre à l'université de Pékin. 2007, baccalauréat. Puis, expérience professionnelle. Nous commençons toujours de la plus récente. Alors, de 2014 à 2017, professeur de russe à Nantes. De 2013 à 2014, traducteur freelance chinois-français, russe-français. Puis nous mettons les langues parlées avec le niveau, donc anglais niveau B2, russe niveau C1, chinois niveau B2. Et puis nous pouvons mettre les intérêts. Alors connaissances informatiques, Word, Excel, Trados, loisirs. Lecture, cinéma, gastronomie, voyage et séjour à l'étranger, nombreux séjours linguistiques à Londres, Moscou et Pékin. Alors, si nous avons rédigé un bon CV et si nous avons attiré l'attention du recruteur, nous sommes contactés pour passer un entretien d'embauche. Un entretien d'embauche est une interview entre le recruteur et le candidat, où le recruteur veut évaluer si la personne interviewée est un bon candidat pour le poste de travail à occuper.